Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je tiens à souhaiter joyeux Noël à ceux qui le fêtent, en espérant que vous ayez tout plein de cadeaux, voilà, tout plein de cadeaux, que votre famille aille bien, que votre famille aussi ait eu beaucoup de cadeaux, et si c'est pas le cas, bah j'espère qu'ils iront bien, que si vous allez mal, si vous êtes malade, que vous vous soignez, c'est important, parce que sinon, en plus d'être malade, vous allez rendre malade les autres. Et bah pour ceux qui ne fêtent pas Noël, comme moi par exemple, je ne fête pas Noël, et bien c'est pas grave, c'est une journée comme n'importe laquelle. Et puis bah j'espère que vous aussi vous allez bien. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez envie de me dire ce que vous avez eu en cadeau. Bah vous pouvez, sinon sur Twitter, @monsieurcotti, dans la description, il y a le lien. Si vous voulez m'envoyer des photos de ce que vous avez eu, moi je suis friand, j'adore pour vos anniversaires, etc., de savoir ce que vous avez eu, parce que je suis très curieux. Et bah, en parlant de cadeau de Noël, je ne fête pas forcément, mais j'avais reçu quelque chose qui date de la sortie de W2K20, et je me suis dit, j'ai pas eu le temps à la sortie de vous le proposer, parce qu'il y a la sortie du jeu, j'ai essayé de faire ça vite pour la carrière, pour que ça soit bien et tout. Il y avait la Paris Games Week, après je suis tombé malade, post-Paris Games Week, après je suis parti en vacances, et du coup là c'est le retour, et je me suis dit, tiens, c'est Noël, et si je vous proposais cet unboxing spécial Noël W2K20, on va déballer tout ça, tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais pas que. Je vous dis pas plus, mais il y aura peut-être un concours à la fin. Un concours ou plusieurs, on va voir comment ça va se dégoupiller. Mais bref, on commence tout simplement déjà par... Alors attendez, je sais un petit peu le contenu bien entendu, parce que certains des youtubeurs ont unboxé ça à l'époque, mais il y a des choses en plus. Donc ça va peut-être vous plaire. Déjà, on commence par cette chose qui est magnifique, c'est un steelbook. C'est là où vous pouvez ranger votre jeu, que vous ayez un jeu sur PC, sur Xbox, ou sur même PS3, PS4, vous faites que vous voulez. Voilà, Becky Lynch et Roman Reigns, W2K20. Et il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi ce steelbook, qui est, franchement, je trouve magnifique, hein, je sais pas ce que vous en pensez, pourquoi il n'était pas dans le collector? J'avoue, moi, il aurait eu grave sa place, et je pense que beaucoup de personnes qui ont eu le collector, bah, aimeraient avoir ceci. Donc, vous inquiétez pas, très prochainement, est-ce que vous voulez en gagner? J'en ai quelques-uns, donc si vous voulez en gagner un concours, vous me dites en commentaire, oui, on aimerait bien en gagner, comme ça vous pourrez ranger votre jeu dedans, c'est quand même plus stylé que la boîte en plastique. Vous me dites, il y aura un concours par rapport à ça. Ensuite, en fait, je dis unboxing de Noël, truc et vin, mais il y aura plus de choses pour vous que pour moi. Bah, il y en a un deuxième, pour vous montrer que je suis pas un mytho, voilà. Parce que c'est vrai qu'avec la magie du montage, tu peux en sortir 50, mais en fait c'est le même, non? C'est pour vous peut-être, si vous êtes sage. Est-ce que vous avez été sage déjà? Ça c'est une vraie question. Est-ce que vous l'avez vraiment été? Parce que souvent les gens disent, mais oui, j'ai été gentil, en fait, toute l'année, ils ont foutu le bordel. Alors, on prend un petit truc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Big Dog, Roman Reigns. Et là, vous pouvez peut-être le voir, je sais pas si vous le voyez bien, ici, dédicacé. C'est une dédicace de Roman Reigns, d'accord? Est-ce que vous voudriez gagner ça aussi? Je vous pose la question, qu'il y a peut-être des personnes qui pensent que c'est peut-être pas intéressant à gagner. Si vous voulez gagner ça, vous me le dites, il n'y a pas de problème, ce sera gagné. J'en ai quelques-uns. Donc si vous voulez gagner une petite lithographie de Roman Reigns, je sais que beaucoup d'entre vous sont fans de lui, vous me le dites, ce sera fait durant les vacances. Ce sera les vacances. Et pour gagner et pour participer, je vous expliquerai comment faire à la fin de cette vidéo. Ça prendra quelques secondes. Attendez, en fait, on va poser ça ici. Depuis tard, je me bats avec des plastiques et tout. Pour fêter la sortie du jeu, à l'époque, ils avaient pensé à envoyer un gilet. Mais c'est pas n'importe quel gilet. C'est le gilet Roman Reigns. Et celui-là, j'avoue, il est magnifique. Alors, ce qu'on va faire, on va le porter tranquillement. Comme je vous le dis souvent, hop, c'est bien des vêtements WWE. On va le porter, voilà, je voulais juste que vous puissiez le voir de dos. On le met tranquillement, mais sûrement. J'avoue... Il serre un petit peu, mais au moins, comme ça, je peux montrer mes muscles. Et voilà ce que ça donne. Hop, le petit sigle, ici, le Superman Punch. Quelqu'un vient. Mmh. Ensuite, on passe à quoi? On passe à... Naomi, dédicacé. Il y en a à gagner. Encore une fois, si vous êtes intéressé, dans les commentaires, vous me dites. Dites-vous quand même que pour l'instant, potentiellement, il y a le concours pour gagner des lithographies Roman Reigns. Des dédicaces de Naomi, parce qu'elle était venue à la Paris Games Week fin octobre, et beaucoup de personnes ne sont pas forcément de Paris ou n'ont pas pu venir. Du coup, cours de rattrapage, vous pouvez en gagner des Naomi dédicacées. Il y a ceci, je vous ai montré aussi les steelbooks. Ils sont pas dédicacés, mais je peux vous les dédicacer, ça vaut de l'or. Ça fait déjà 3 potentiels lots. C'est pas très lourd, mais ça peut être très intéressant à afficher ou mettre n'importe où. Ça, je vous le dis les petits loups, c'est pas n'importe quoi. Quand tu vois ça, tu dis... Ah. Ça, c'est une veste qui rigole pas du tout.
là tu te dis comme ça. Moi tout de suite, j'avoue, hein, j'aurais pensé à Finn Balor, mais en fait pas du tout. The Man, Becky Lynch, et j'avoue la veste elle est hyper belle. Encore une fois, c'est une veste officielle WWE, vous pouvez le voir. Et ici, on a le petit pins W2K20, et celui-là, ah, je kiffe bien. J'avoue, je l'avais jamais vu ce pins. Et là, on a la veste. Vous savez ce qu'on va faire? On va la porter. C'est pas sûr que ce soit à ma taille, mais vous savez quoi? On sait jamais, sans avoir essayé. Attention, c'est la deuxième veste en cuir que j'ai depuis le début de l'ouverture de la chaîne. La première veste, c'était par rapport au press kit de Mad Max. Je sais pas si vous en souvenez, ça fait pas mal de temps. Ça va quand même. Après, je pense qu'une veste en cuir, ça se porte assez serré. Là, je me dis, je suis bien serré. Voilà, je peux vous montrer. Mais je trouve que ça va, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal? Eh mon petit gars, moi tu me cherches pas avec ma petite veste en cuir. Bon, je suis assez serré, mais je peux donner des petits coups. Le bruit que vous entendez, c'est en fait pour attacher. Hein. Que derrière, on peut s'attacher au cas où si on s'envole, voilà. Et j'avoue, je suis assez confortable avec. Faudrait peut-être que je perde quelques kilos au niveau du bide. Mais sinon, ça passe, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me fait bizarre de porter du cuir. Je me sens, encore une fois, très, très confiné. Mais pour les gens qui portent du cuir, vous me direz, voilà. Si ça me va bien ou si ça ne va pas, après voilà, les goûts et les couleurs bien sûr. Et on finit par trois choses, attention, et pas des moindres. Déjà tout à l'heure, je vous ai montré quoi? Roman Reigns, vous vous en souvenez? Bah là, il y a Becky Lynch. Malheureusement, Becky Lynch, il n'a qu'une seule, donc celle-là, ça sera pour moi. Mais au pire, ce que je ferai les petits loups, si vous en voulez, je vais essayer de demander à 2K s'ils en ont pas en rab. Des fois, ils en gardent un petit peu plus, et si c'est possible, j'irai chez 2K dans leur bureau. Je vais les récupérer et après on voit ça ensemble, d'accord? Ok. Alors là on a le dossier de presse de l'époque. Enfin, quand je dis de l'époque, c'est pour à la base la sortie du jeu. Un dossier de presse c'est quoi? C'est simple, c'est juste pour expliquer un petit peu le jeu, bah, pour la presse, voilà, tout simplement. Bon après vu que je connais, tout va bien. Mais encore une fois, si vous voulez des photos bien précises, avec mon appareil photo, tout ça, sur Twitter, vous m'envoyez un petit message en public, c'est plus simple pour que je puisse le voir directement. Et... y a pas de souci, je vous envoie des petites photos de ce dossier de presse. Voilà, toujours appréciable de recevoir ça. Et la dernière chose, c'est le jeu. Le jeu sous blister. Vous l'entendez? ASMR, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, le jeu sur PS4, c'est l'édition de luxe. L'édition de luxe, il y a quoi dedans? Vous vous en souvenez? Je vous ai fait un petit récap. Eh bien, il y a tout ce qu'il y a dans l'édition collector, à part les objets collector. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si tu veux le Fiend, si tu veux Bump in the Night, si tu veux... le Seth Rollins Vagabond, en fait tous les DLC ils y sont, l'accélérateur, le Season Pass, tout est dedans, il y a tout, c'est pas ouvert, et ça, ça a gagné dès ce soir. Je ferai un tweet au moment où je mettrai la vidéo en ligne pour participer. Là tu te dis, mais c'est bien beau, tu racontes ta vie, et comment on fait pour participer, comment ça se passe? Eh bien c'est simple, pour participer comme ça, je sais que ce sera vous qui participerez, et pas n'importe qui, etc. Il faut follow Monsieur Coty sur Twitter, ça se passera sur Twitter bien entendu. Vous retweetez le tweet que j'aurai mis en même temps que la vidéo sera sortie, et dans les commentaires, vous répondez au tweet en disant votre superstar préféré. Quelle est votre superstar préférée, masculine ou féminine, avec le hashtag, vous connaissez le hashtag, le dièse, et vous mettez le hashtag W2K20 Coty. W2K20 Coty. Je vous mettrai le hashtag à mettre, et voilà. Si vous voulez participer, vous pouvez. Si vous avez le jeu et que vous voulez uniquement le code, parce que oui, dedans, il y a le code pour le Supercard, hein, pour ceux qui veulent les codes, bah, vous faites ça. Après, si vous voulez pas le jeu, vous me direz comme ça, je referai gagner le jeu, et vous gagnerez uniquement les codes. On s'arrange, il n'y a pas de problème, on est entre nous. Et il y aura aussi prochainement des codes W2Supercard à gagner par rapport à cette édition-là, et même à d'autres éditions, parce que j'en ai quelques-uns en plus à des abonnés qui m'en ont filé, et moi, j'en ai reçu à vous faire gagner. Vous me dites si vous voulez tous ces concours, comme ça, on en fera limite un par jour. Moi, ça me dérange pas. On fera pourquoi pas des packs, sinon, des packs de concours. Pour moi, après, je préfère gagner plus de personnes avec plus de lots que faire un lot et faire gagner une seule personne. Voilà, moi, c'est mon principe. Je préfère ça. Et puis, voilà, c'est la fin de ce déballage. Il y en aura d'autres durant la semaine parce que j'ai reçu pas mal de choses à vous déballer en vidéo. En espérant que ça vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Je récap dans les commentaires. Vous me dites si vous voulez les concours pour Roman Reigns, Becky Lynch, pour Naomi... pour le Steelbook, vous me dites ça, vous me dites aussi pour W Supercard si vous voulez ça, et c'est sur Twitter si vous voulez participer au concours, n'oubliez pas WWE Monsieur Coty en hashtag, et vous me dites votre superstar préféré. Bonne chance à tous, et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout, allez, salut.